Bonjour, je suis avec Madame Sufonart Lamlert, la vice-présidente de la Fédération internationale de pétanque, mais aussi quelqu'un qui est venu ici à Monaco pour accompagner les champions du monde thaïlandais, les deux doublettes qui ont été retenues pour participer à ce challenge prince héréditaire. Jacques, Madame, vous avez accompagné ici ces équipes thaïlandaise, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous? Ah, c'est très important pour nous parce que cette équipe, c'est de jeunes et encore d'autres joueurs. Et ce sont les premières fois d'être participés dans la compétition très importante et très célèbre comme ça. Et c'est très important pour qu'ils savent qu'il est assez fort ou pas. Parce que s'il n'y a pas les équipes qui sont très très fortes comme ici, et les équipes en Thaïlande, ce n'est pas très fort. Bon, on ne sait jamais si on est assez bien ou pas pour le championnat du monde. Alors, à l'issue de ce concours, quel est le résultat qui vous satisferait? Le résultat jusqu'à maintenant, c'est bien passé. On a gagné trois fois et une autre équipe en a gagné deux. Non, deux. Un sur un. Donc c'est tout ça maintenant, c'est bien fait, bien satisfait. Philippe Escudé, tu es un des plus grands connaisseurs de la pétanque thaïlandaise et tu es français, on a de la chance. Après 3 tours de compétition, on a vu ces deux équipes thaïlandaises plutôt bien se comporter. Quelle remarque déjà tu peux faire sur ce début de parcours? Oui, bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous. Donc le début de la compétition s'est passé de manière quasi parfaite puisque nous avons gagné toutes nos parties sauf une, sachant que l'objectif c'est de se qualifier pour demain. Demain sera un jour nouveau. On espère avoir les deux équipes en huitième de finale et puis après les compétitions à couteau serré demain et couperet vont commencer. Et là, on verra vraiment le niveau. Et puis, on a la chance d'avoir un plateau remarquable dans un site exceptionnel. Madame Lamlert, on va retrouver cette équipe championne du monde. Elle va défendre son titre à Dijon en décembre. Est-ce qu'on peut considérer ce challenge prince héréditaire Jacques comme une préparation à ces championnats du monde? On ne sait pas maintenant. Je ne peux pas vous dire maintenant. En gros, vous ne pouvez pas me dire si ce sont ces joueurs qu'on retrouvera à Dijon. J'espère. En tout cas, merci à vous deux, hein, de nous avoir accordé ces quelques instants. Voilà, j'étais avec Sifonart Lamlert et Philippe Escudé pour nous parler de la pétanque thaïlandaise.